Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de motivation. Alors comme vous le savez, j'étais au Cameroun pour exactement 14 jours. Et lorsque je suis rentrée, j'ai trouvé la maison dans un état, je dirais, plus ou moins catastrophique selon mes standards. Il y avait des bouteilles de sauce vides au frigo, des boîtes de rangement vides, l'oignon qu'on a utilisé, qu'on a déposé au frigo qui avait séché, le pâté qui était déjà pourri, les lamelles de ham qui sont supposées être dans des boîtes de rangement qu'on a laissé comme ça, on a ouvert, on a laissé ça sécher, voilà, comme vous pouvez le constater. En fait, tout était up and down. Voilà, les saucisses aussi qu'on utilisait directement dans le paquet qu'on ne mettait pas dans les boîtes de rangement. Le mélange de ail, de ginger et de citron que mon mari fait généralement pour les filles lorsqu'elles ont un peu de froid, qui était comme ça dans la tasse à l'air libre. Du lait qu'on a utilisé, qu'on n'a pas protégé, vraiment c'était la débandade totale. Donc là, c'était le soir du jour où je suis arrivée, même. J'ai pas pu résister, j'ai commencé le nettoyage. Donc là, j'ai retiré tout ce qui était périmé, gâté, pas en bon état. J'ai retiré du frigo. J'ai nettoyé le frigo en profondeur. Et là, mon frigo, il était propre. Et il était question que le lendemain, j'aille faire des courses pour pouvoir remplir le frigo. Parce que vous pouvez le constater, le frigo, il est presque vide. Voilà. Donc le soir aussi, j'ai profité pour nettoyer le four. Parce que franchement, l'état du four était catastrophique. Alors, le nettoyage a été fait de façon vraiment très superficielle. On avait des crottes là qui s'étaient installées sur le four. C'était disgusting. Donc là, j'ai bien nettoyé. J'ai bien nettoyé mon four. Et puis, je vous montre un peu le cinnamon bun que ma fille avait fait pour moi. Pour mon arrivée, c'était très gentil, c'était très chaud, c'était très très bien, j'étais très contente, fière d'être maman. Franchement, ce sont des petits gestes comme ça qui te donnent du baume au cœur. Donc voilà, nous sommes le lendemain, le jour où je suis arrivée. Mes sacs sont toujours déposés là, au milieu du salon, j'ai pas touché à ça. Donc, j'ai commencé à bosser depuis ce matin. J'ai commencé à bosser depuis 7h du matin. J'ai pris une pause à 8h30 pour aller déposer les enfants. Je suis revenue. J'ai juste eu le temps de prendre une tasse de thé. Et j'ai bossé jusqu'à 15h30 avant d'aller chercher les enfants. Ah oui, c'est ça quand on rentre des vacances. On a trop de choses en retard. Donc, je vais chercher les enfants. Ensuite, je les ai déposés à la maison et je suis vite partie aller leur faire les courses. Donc, j'ai mes courses là, le Lidl. Ceci, je me suis arrêtée à The Range parce que on m'avait cassé certains conteneurs en bois dans lesquels je range la charcuterie. Donc, je suis allée acheter. Je les achète d'habitude à Ikea, mais je ne peux pas aller loin à Ikea. Ikea, c'est assez loin de chez moi. Donc, je suis allée à The Range pour voir si je peux trouver quelque chose. J'ai pris ça. Je pense que ça ferait l'affaire. J'ai pris quelques autres petites babioles. J'ai pris un senteur parce que vous me connaissez, moi j'aime bien les senteurs et j'aime bien celui de The Range. J'en avais plus à la maison. Et j'ai pris ce sac à lunchbox aussi que je trouve très mignon. À 3 livres, c'était en solde. C'est passé de 5,99 à 3 livres. À peine rentré, on court déjà. C'est comme ça, c'est la réalité de Mbeng. Voilà, donc je vais vite ranger les courses que vous avez vues là. Ensuite, je vais faire la lasagne dans le multicuiseur, une recette rapide. On se prend pour la tête. Je fais la lunchbox pour demain. Je range la cuisine. Je me lave, je mange. Et si possible, vraiment, j'aimerais pouvoir éditer une vidéo pour ma chaîne YouTube demain, mercredi. Parce que je n'ai pas posté sur YouTube à peu près de 2 semaines. Mais c'est pas grave, j'ai quand même posté des shorts, mais je n'ai pas posté de longues vidéos. Malheureusement, c'est pas grave. On va essayer de se rattraper. Je dis merci à toute la team qui continue à subscribe to the channel. Thank you very much. Let's do this quickly. Donc voilà, j'ai rangé les saucisses dans les boîtes. Comme ça va se faire. J'ai rangé le garlic bread aussi. Voilà. Et de l'arsenio. J'ai mis le mélange ginger citron pour la toux. Et là, j'ai mis le lait que j'ai recouvert avec ce petit plastique. Voilà.
on va remettre ça au frigo. Que je n'ai pas encore ouvert. Donc là, ça va aller à ce niveau. Ah, sans donner d'efforts, je me fais mon jus à la menthe que j'aime beaucoup. Voilà. Le meilleur jus quand tu es fatigué. Tu prends ça bien glacé, tu mets la menthe, tu mets de l'eau bien glacée, tu bois. Ça te donne des forces straight away. You got my slippers? Mm-hmm. Thank you very much. Let's do this. Voilà, on a fait, on a rangé les courses, une bonne partie. Ici, on a les gâteaux Madeleine. Là, on a tout ce qui est chocolat, biscottes, tout ça est pour les lunchbox. Là, on a les fruits, grapes, on a les lettuces pour faire les sandwichs. À ce niveau-ci, on a le garlic ham. Là, on a le yaourt. N'est-ce pas? Ici, on a les bouteilles de jus. Là, on a les biscuits. À ce niveau, on a les jus qu'on a déjà rangés dans les bouteilles. Et là, on a tout ce qui est snack for all the lunch boxes. Commencer à remplir le frigo. J'ai fait les premiers courses à Lidl. Demain, j'irai à Aldi et à Home Bargain pour compléter le reste. Voilà, on a déjà fait une bonne partie. On va continuer demain. C'est bon pour le frigo aujourd'hui. J'ai déjà eu à partager cette recette. Viande hachée, lasagne sheet, sauce de lasagne, sauce de tomate à la lasagne, du mix air, du sel et de la marmite de mon multi-cuiseur. Et c'est tout. Voilà. Bien sûr, on a fait la lasagne. On va mettre dans le multi-cuiseur et 30 minutes, ça sera prêt. Bonjour tout le monde. Je vous reprends deux jours après pour mon nettoyage, mon setup after holiday. Donc là, j'ai déposé les enfants à l'école, il est exactement 9h05. J'ai décidé de venir à Aldi pour compléter le shopping que j'ai fait la dernière fois. Parce que Aldi, vraiment, c'est génial pour tout ce qui est brioche, croissant, pain au chocolat, tout ce qui est pâtisserie, viennoiserie. C'est comme ça que ça se dit, je ne sais pas trop. Donc là, je suis à Aldi pour acheter tout ce qui est croissant, pain au chocolat, céréales. Et je vais aussi m'arrêter à Matalan parce que the storage box that I use for cereals, donc la boîte dans laquelle on conserve les céréales, a aussi été cassée par Gabriel. Gabriel a tout cassé dans ma maison. Donc je serai obligée d'aller à Matalan acheter d'autres. Et c'est assez cher. Je crois que ça coûte 11 livres la pièce. Ça m'énerve tellement, mais bon, j'aime plus trop ceux qui sont en plastique là. Donc soit c'est en glace, ça c'est en acrylique. Donc après Aldi, je vais aller à Matalan prendre cette boîte de conservation et puis je vais rentrer à la maison vite fait. Une fois arrivé à la maison, je vais booster jusqu'à 15h30. Je vais récupérer les enfants à l'école et là je vais continuer avec mon rangement et le repas de ce soir. Donc c'est ça le programme
on se dit à tout à l'heure. Aldi, let's go on a rainy day. You were beautiful, just like a flower. I could walk with you for a million miles, and my feet would not get tired. Where you go, I'll go, winter or summer. Ok, là je suis rentrée, j'ai déposé mes courses, je vais aller bosser. Avant ça, je vais faire encore un autre gros verre de jus de menthe. Stay, I'll stay right here with you. C'est un jour si je ne vois que ça. Je suis accro. Je suis fatiguée, mais j'ai tellement de travail. Donc là, je vais laisser les courses là où ça se trouve. Je vais aller bosser. Je vais aller bosser. Et puis, jusqu'à 15h, je récupère les enfants. Après avoir récupéré les enfants, je reviens, je range les courses. Je cuisine le repas de ce soir et si possible, mon but d'aujourd'hui vraiment, c'est de changer les draps en haut des deux chambres, de ma chambre, de la chambre des filles. Donc voilà, voilà les bols dont je vous parlais que j'ai acheté à Matalan. C'est assez cher, ça coûte 11 livres. Cher, je trouve, mais j'aime beaucoup parce que c'est acrylique, c'est fait à base de l'acrylique, c'est pas du plastique, c'est de l'acrylique. Et ça a du noir, qui est le thème de ma cuisine, si vous avez pu constater. J'aime bien le noir. Bon, du coup, je trouve que ça vaut le prix. Voilà. Donc, on va laver ça vite fait. Et on va faire classer tout ce qu'on a acheté à Aldi aujourd'hui. Donc, voilà pour les courses de Aldi. Ici, j'ai pris tout ce qui est, comme je vous ai dit, croissant, pain, chocolat et tout le tralala. Là, j'ai pris une palette d'eau parce qu'il n'y en avait plus à la maison. Ici, j'ai pris tout ce qui est céréales. J'ai pris des fruits, de la mangue, des grapes, de l'ananas et un peu de haricots parce que je compte faire du pilier de pomme. Voilà, donc voilà ce qu'on a acheté à Aldi. On va classer ça. Voilà, donc j'ai lavé les bocaux. Je vais laisser ça sécher. J'ai lavé aussi mes mangues. Je vais éplucher. L'ananas n'est pas encore vraiment cuit, donc je vais laisser ça là-bas. Take me on a spree. I wanna get to know me. Every little inch of me. Gentle while you stroke, will you depict me? Every number count, love tokens. Waited on the swallows fly when I was 17. Caught up in a dream that became a nightmare. Shackles around one's feet is not so neat. Oh, hurry with the kisses, your lips and the balm. Every number counts, love tokens. Where did all the swallows fly when I was 17? Must have been the first time that Evo kissed my face. But oh, 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 oh,
17. Caught up in a dream that became a nightmare. Voilà. Hello. Donc voilà, on a rangé les céréales et les croissants et les pains au chocolat. Comme je vous ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, si vous n'avez pas d'espace dans votre cuisine, vous pouvez utiliser votre mur pour créer un espace. Vous pouvez le voir, je vais vous faire un petit tour. Hein. Dans cet espace, si j'ai pu créer beaucoup de rangements, donc notamment ici j'ai tout ce qui est petit déjeuner. Là j'ai des céréales des enfants. Là c'est ce que mon mari et moi on aime. À l'intérieur ici j'ai le porridge de Michael. Sur ce truc-ci, je fais mes menus de la semaine. Vu que je viens de rentrer du Cameroun, j'ai pas fait ça, mais généralement le dimanche je prends la peine d'écrire les menus de la semaine ici ou tout ce qui est important. Ce truc-ci je l'ai acheté à Amazon. Voilà. Là vous avez, j'ai décidé de mettre le tissu. Ici je mets tous mes épices que j'utilise au quotidien chaque jour. Là, j'ai mis le papier allure. Et ici, au-dessus, j'ai mis tout ce qui me sert, par exemple, pour faire mes cappuccinos, mes sauces, des cuidons, pour le café. Voilà. Et là, au-dessus, j'ai mis les croissants au top parce que ma fille mange trop ça. Je ne veux pas qu'elle ait accès facile. Et j'ai tout ce qui est farine. Vous pouvez constater là, je me rends compte que ma farine est finie. Donc, il va falloir que j'en achète d'autres. La farine, le sucre. Et derrière, j'ai d'autres trucs pour faire la pâtisserie. À ce niveau-ci, j'ai mon tableau de ce que les enfants doivent faire au courant de la semaine. Ça aussi, il va falloir que j'efface et que je refasse un nouveau pour la semaine parce que depuis que j'ai voyagé, elles ont fait beaucoup de désordre. Voilà. Donc là, dans ce petit mur-ci, j'ai pu organiser beaucoup de choses. C'est très beau, c'est pratique, c'est propre et ça fait l'affaire. Enfin, le stock de thé. J'ai acheté ce thé au Cameroun. C'était très beau, j'ai beaucoup aimé à base de ginger. Donc j'en ai pris un paquet. Voilà, c'est fini pour le rangement. Maintenant, on va faire la cuisine. I shouldn't be in love, but it's
dans cette zone, c'est là où je range généralement mes meal prep. Donc j'ai une autre boîte pour mettre ça à ce niveau-ci. Voilà. Donc après avoir fini avec le rangement et la cuisine, je suis montée m'occuper des habits. Donc j'ai plié toutes les tenues que j'ai rangées dans les armoires. En tout cas, tu vois, ça bouge là. Yeah, mon frère, toi aussi, franchement. J'ai nettoyé le haut complètement. J'ai plié les habits qui étaient dans le basket, dans les différents baskets. J'ai rangé dans les armoires. Là, je m'attaque au linge qui est la dernière tâche à faire. Vous voyez. J'ai tout ça à laver. C'est au moins les habits de 2 à 3 semaines. On m'a dit que Mimi, qu'on a lavé les habits pendant mon absence, je comprends pas. Donc là, on a les draps, les serviettes, les habits. Et là, on a tout ce qui est tapis de toilette aussi à laver. Entre temps, j'ai déjà lancé une machine, voilà, que je vais retirer maintenant. Là, je vais retirer la machine que j'ai lancée hier. Les habits, les tenues, essentiellement les tenues d'école. Je vais sécher et je vais lancer une autre machine. Je vais faire comme ça tout au courant de la semaine jusqu'à ce que je parvienne à me débarrasser de tous les habits sales. Donc voilà le linge que je dois sécher. Là, je vais lancer la dernière, une machine. Tout ce qui est tapis de toilette, tapis de chambre. C'était trop sale. Voilà. Pour faire ma lessive, j'utilise les capsules parce que je trouve que c'est plus pratique et c'est plus efficace. Un peu plus cher, mais ça vaut la peine. Donc, je vais mettre 2 capsules ici. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères de stain removers pour enlever tout ce qui est taches intenses. 2 cuillères de la marque Astonish. J'aime bien. C'est tout ce qui est couleur et blanc. C'est tout ce que je mets dans la machine. Je vais fermer. Ensuite, je vais mettre mon senteur bonne odeur. J'aime bien celle-ci. Ça sent très bon. Long lasting freshness and fragrance. Là, quand tu mets ton tapis dans les toilettes, ça sent tellement bon. Ou dans la chambre. Donc, je vais mettre ça et puis je vais lancer la machine. Parti pour 1h40 de lavage intense. Donc là, j'ai les habits séchés que je vais plier. Voilà, on a plié les habits. Je vais aller les ranger en haut dans les armoires. Ensuite, je vais sécher ça. Et puis, je lance. Bon, voilà, nous sommes dimanche. Nous sommes arrivés à la fin de ce house reset after 3 weeks on holiday. J'ai coupé une bonne partie parce que je ne voulais pas que la vidéo dure plus de 20 minutes. Je vous ai montré l'essentiel. Qu'est-ce que j'ai fait au niveau de la cuisine. Tout ce que j'ai fait en haut, c'est changer les draps, sécher, plier les habits, ranger les habits dans les armoires. Là, j'ai vraiment pas filmé parce qu'à un moment donné, je me suis mise en mode travail. Donc hier, je me suis dit, j'ai 3 heures pour finir tout ça. Là, maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est... Laver les habits séchés jusqu'à ce que je puisse finir tous les habits que j'ai à magasiner, que les enfants et mon mari ont à magasiner pendant mon absence. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à me donner un thumbs up. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à vous. Bye. Last night. I had a dream of us coming together last night.